J'avoue que pour l'instant, je vois pas trop où est-ce que ça va venir se attacher, ça. Ah oui, donc quand il dit cette part will be mirrored, il faut que je la mirrored moi-même en fait. Ah non, c'est encore après, pardon, j'ai rien dit. Il y a d'autres choses qui viennent après. Pas très pratique leur système là, je trouve. Thank you.
encore une à mettre. Ok, ça s'en va être à peu près mis. Ok. Pas le système le plus simple auquel j'ai eu à faire, ça, par contre. Cette partie-là, là. C'est comme ça qu'il veut que ça marche. Pas évident là. Cette partie-là, là, pas évidente. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre.
Je vais pas la faire comme ça parce que là ça va pas être. Ça a pas l'air très clair les plans. Bah, le problème, c'est pas des plans Lego là, donc c'est un peu moins clair en effet. Là, c'est une partie qui est un petit peu plus embêtante, on va pas se mentir. Au fur et à mesure, c'est pas facile. Donc en fait, comme c'est pas des plans Lego, bah il faut s'adapter un petit peu. Comprendre en fait ce que vous, enfin, ce que veut dire la personne qui a fait les plans. Salut Elf, bienvenue, comment vas-tu? J'arrive. Bienvenue Elf, on est en train de monter, tu vois, un Cobra MK3, là je me galère un petit peu, et on a déjà monté le Sidewinder. On est sur une échelle 1/250e, et là on est sur une partie qui me pose un peu problème. Ah, mais pourquoi ça décale à chaque fois ça? Oh.
de marteau, ça devrait rentrer. Ouais. Ok. Et normalement j'en ai encore une à mettre. Mais c'est super chaud en fait. Allez. Bon, c'est bon, j'ai réussi à faire en faisant comme ça en fait, en faisant directement l'installation. Parce que c'était pas évident d'avoir juste les espaces pour mettre ça. Ah, puis ouais, je les ai mises à l'envers, forcément. Le garder de côté parce que ça va marcher pour la version miroir. Je vais refaire l'autre. Je vais y arriver, hein, mais on va pas se mentir que cette étape-là est un petit poil plus compliquée quand même.
Tac. Voilà, j'ai refait la structure. L'aile a l'air de tenir. Après, il me faut la partie miroir. Ah ouais, il dit juste refaites ça et puis... ok. Pas trop quand c'est à moi de faire le miroir. Ça c'est que les gauches et droites c'est pas forcément mon point fort, on va dire.
trop en galère. Tac, rage de... J'ai l'impression que ça force un peu. Ça va pas mes trucs Ah purée, ça va pas. Là, ça va, c'est ceux-là qui devraient être en haut par contre. Ouais, à moins de tout enlever, je peux pas juste changer. Ah putain, pardon. Alors, je n'ai pas fait le plein, donc je suis allé à la station d'à côté de la valise. Pourtant, je me suis fait scan, j'ai oublié qu'il fallait pas. Donc, dirait toutes les autorités à la station m'a tiré dessus. J'avais plus pas le bouclier. Pour avoir fait des missions. Eh oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier de faire le plein. Deux cents du point de départ. Pourquoi t'as mis si loin?
m'embête un peu cette étape quand même. Parce qu'il n'y a pas de prison en tous ces coins, voilà. Voilà. Alors. Tac, tac, tac. Celle-là et ça va être Ok, normalement c'est bon. J'ai mes deux. Même s'il y a un jeu là, on va voir en la mettant. Et alors maintenant le but, ça va être de fixer ça sur les crochets qui sont là et là. Quand je disais qu'on était clairement pas sûr du set Lego.
Les planches, je les ai pas payées. C'est pas grave. J'ai juste payé les pièces. Pas le manque de qualité, c'est que c'est pas facile de faire des formes comme ça. C'est juste, c'est fragile. Parce qu'on n'est pas sur... Ouais, on n'est clairement pas sur la qualité Lego non plus. Il se pose dessus juste comme ça, hein. Mais ça fait un jeu. Ok, donc en fait non, je c'était bien. C'est juste, c'est pas comme ça que je l'imagine. J'ai pas un truc là en fait pour tenir le tout. Genre si m'avait mis un truc comme ça en plus, j'aurais pu le fixer là et ça aurait réglé le problème. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais aller voir si j'en ai dans mon stock. Voilà, là je paye pas, hein. Je fais sur ça, sur des. C'est des gens comme, enfin, comme vous et moi, hein, qui ont créé ça. Donc, bien, c'est juste un peu fragile à mon goût. Donc, je vais voir si j'ai comme ça en plus. Mettre là et là. Alors, c'est quoi la rêve de ça? Six 79. Ah, j'en ai pas. Mince. Ah, ok. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Thank you.
forcément venir là. Il va rester un petit jeu. Hein. Tout comme là, je mettrais bien un petit carré là en fait pour bloquer le tout. Ah non, c'est parce que j'arrive pas dans mon fichier, c'est pour ça que j'en ai pas. 70. Ok, j'en ai 9. Ah. 1,94. J'arrive, chercher le tiroir. Hop. On va piquer dans le stock. Voilà, comme ça là déjà, ça va mieux tenir ici. Voilà. Et je pense que je vais en mettre là aussi. En sorte que toute cette partie là c'est mieux. Alors on retente maintenant. Non, j'aime mieux, c'est plus moins souple on va dire. Reste l'espace là, mais je sais pas si c'est fait exprès. En fait, on voit un peu l'intérieur là. J'ai juste ça qui me dérange. Mais sinon, ça marche là maintenant. En fait, ce qui me gêne, ce sont les carrés là. Ah, c'est la tille ici. Pardon. La tille ici. Ça fait mieux. Ouais, maintenant j'ai solidifié un petit peu cette partie-là, ça le fait mieux. Regardez, si je peux pas légèrement modifier, en fait, il faudrait que j'aille des arrondis là plutôt. Là, je modifie. Maintenant, là, je modifie le plan qui était proposé, hein, donc ça peut ne pas marcher. Ah, mais je vais pas pouvoir. Non, je vais pas pouvoir. Ok, dommage. Bon, je suppose que c'est prévu pour être mis comme ça, du coup. C'est dommage qu'on puisse pas le rabattre à fond. Ou alors, c'est que j'ai fait une autre erreur. Par là.
appuie là-dessus. Donc non, a priori c'est comme ça que ça doit se mettre. En tout cas dans le plan. Bon, ça rend quand même bien, hein, attention. Sur les images, on le voit aussi l'espace, ça a l'air normal. Ah oui, mais c'est sans doute normal. Ok, du coup on va se retrouver avec un vaisseau comme ça. Juste mettre l'autre côté. Voilà. Ça ressemble quand même à un Cobra MK3. Ah, faut juste que j'en mette ça que j'ai oublié. J'en vais. Ça, normalement, c'est pour faire les petits personnages à côté, mais je vais pas les faire. Je remets ça dans mon stock. Bon, voilà. Eh ben. Il m'a posé quelques difficultés, mais je suis content du résultat quand même. On a donc les deux premiers vaisseaux d'Elite Dangerous. Le Sailwinder. Et le Cobra MK3. Sont les deux premiers de la série. J'ai appuyé ça, on va fermer ça. Et surtout, on a, si on le souhaite, tac tac, les pièces rangent, donc on peut voler. Je laisse ça parce que ça solidifie, même si ça fait un peu moins joli, c'est pas grave parce qu'on regarde pas trop en dessous. L'anaconda va être énorme. Ouais, bah, l'anaconda n'existe pas encore pour le moment, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. À quand la suite? Bah, il va falloir que je réunisse ces pièces. Donc on a eu le Sailwinder. Et on a le Cobra MK3. Et même de l'arrière, ça rend pas mal. Alors.